Iolcos est sur le point de devenir la puissance la plus importante de Grèce. En fondant une colonie, vous avez donné naissance à un nouveau royaume. Maintenant, vous devez étendre votre influence à travers la Grèce entière, en vous alliant avec ceux qui vous traitent avec respect et en écrasant ceux qui s'opposent à vous. À la fin de votre voyage, Iolcos brillera de tous ses feux et sa puissance ne sera pas éclipsée. Il est maintenant temps de rendre grâce à Zeus pour avoir levé le sortilège qu'il avait jeté sur votre famille et pour vous avoir ainsi permis de devenir un grand chef. Vous pouvez l'honorer en lui construisant un sanctuaire. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le cinquième épisode et le final de l'aventure mythologique, les aventures de Jason. Donc là, l'objectif des scénarios, donc Iolcos prospère, nous devons avoir 4 partenaires commerciaux, construire un sanctuaire en hommage à Zeus, une population de 4000 habitants, une trésorerie de plus de 10 000, et 72 personnes en des résidences ou mieux. Donc je pense qu'on a déjà quelques objectifs accomplis, en particulier je pense la population, le trésor et la résidence. Les 4 partenaires, je ne sais pas si c'est 4 partenaires qu'on doit commercier sur la carte seulement, ou on va leur poste de commerce et doc dans notre cité, donc on va voir. Alors, ok, donc on a déjà 3-4 objectifs accomplis. Je vais tout de suite les... Hop. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir le centre des impôts? Normalement, oui. Comme ça, on va les mettre en activité rapidement. Et normalement, j'avais dû bâtir des postes de garde, je ne me souviens plus. Dans le doute, on va les bâtir. Hop, c'est parfait. Je vais tout de suite bâtir le sanctuaire de Zeus. Bastion de Zeus, est-ce qu'on aura cette place? Ah, là on aurait de la place. Je suppose qu'on va le mettre face à la mer. Voilà. On va faire attention. Une petite maintenance. Et je crois la guilde des artisans, elle doit être là quelque part. Voilà. Bon, pour le moment, les emplois sont stables. Au pire, je détruirai quelques bâtiments qui ne servent plus à rien. Donc, c'est ce que je voulais faire à Achat de marbre. On va s'approvisionner en marge le plus vite possible. En marge. En marbre. J'ai assez de blé pour le moment. Donc là, le problème, ça va être le point faible de ma cité, c'est l'acheminement. J'ai une idée. On a du vin. Hop, on va tout refuser. Hop là. Attends, je peux toujours pas l'accepter. Les sculptures, j'en ai trop, malheureusement. Qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, on va rajouter le vin, écoute, hein, je vais faire d'autres. Et je vais faire un truc. Ça va être assez greedy. Les dieux dont vous vénérez le élevé ne m'arrive pas à la ici chute, et j'ai monté là. Comme ça, ça va équilibrer les deux. Il nous restera du chômage en plus. Il va nous falloir 121 blocs de marbre quand même, hein, vous vous rendez compte? J'espère que vous savez combien ça représente, 120 blocs de marbre. On a déjà tous les objectifs accomplis par le sanctuaire de Zeus. Ça, c'est cool. Je regrette un peu de... Je me demande si j'aurais pas pu bâtir un autre sanctuaire. Peut-être celui de Dionysos. Mais bon. On va essayer de le bâtir, hein, mais ça ne coûte rien d'essayer. On pourrait le bâtir aussi. 500 drames, je prends. Je vais bâtir tout de suite ça. Les quelques sculptures, comme ça déjà on aura tout ce qu'il nous faut. Donc le marbre là-bas c'est ok. Ouais. J'ai tellement envie d'aller écraser l'autre abruti de Trezen là, mais vu qu'il nous respecte, ça me donne pas envie d'y aller quoi.
Il nous reste encore pas mal de chômage, on a une petite marge. Apparemment, ils se focalisent tous les deux sur le même truc, c'est plutôt cool. Bon, j'aurais aimé qu'ils se focalisent sur Dionysos, mais bon. Hop, on a assez de sculptures comme ça. On en a quand même. Alors, c'est combien? 22, hein. Voilà les sculptures. On en a 29. Allez, une autre petite tribu. Bon, on n'a plus besoin d'acheter de vin en gros. On va demander à tous les dieux de nous aider. Voilà, les cires, elles produisent tout le bois qu'on a besoin pour nos sanctuaires. Et si on pense, là, la trésorerie est en train de gonfler à plus de 40 000. Je crois que là, on est en train de monter en puissance. Bon, le palais. Ce que je vais faire, je vais détruire ça. Je vais quand même garder ça. Les murs. Je vais les détruire. Aucune utilité de les conserver. J'aurais peut-être déjà dû le faire depuis le fait qu'on, quand on avait appelé après Thésée, la deuxième mission, j'aurais peut-être dû redéplacer le palais. Alors, qu'est-ce que nous dire, mais ça va voir un peu. C'est l'heure de ma promenade matinale. C'est le meilleur moyen de garder la forme. Tu m'étonnes. Donc, pour votre sécurité, hein, enfin pour votre santé, pratiquez au moins 30 minutes de marche, selon Hermès. Ils en sont où là-bas? Ça vient. Les sanctuaires, je vous en prie, permettez-moi de satisfaire. Hermès est satisfait, bah hop, une requête de gagner. Là, on est plutôt pas mal avec les scieries. Ok, bon là les niveaux marchandises on est plutôt pas mal. Ah, problème financier, bof. Eh bah putain, tout le monde nous réclame des choses en ce moment. Avant on était l'ennemi de la Grèce, enfin l'ennemi de certains de la Grèce, et là plus rien quoi. Hop. Le vin on est plutôt large, là-bas on est plutôt bon. Là-bas on n'a pas de soucis, non. Putain, on est plutôt bien, franchement. Je comprends pas un truc, j'ai que 4 cavaliers là. Est-ce que c'est pas lié aux armements? Ah peut-être. Je vais acheter des armements parce qu'il nous en manque. Prêt. Et hop, zou. Allez hop. Le sanctuaire de Zeus qui poursuit sa construction. C'était en feu ou ça? Ah! C'est vrai que j'ai un peu mal placé, je vous. Alors, par contre, j'ai oublié les armes ici. Lemnos qui nous adore. Logique. Là, on a déjà le sanctuaire est à moitié, je crois. Ouais, ah, plus de la moitié, même 70%. Bon, j'aurais pas eu le temps de bâtir le sanctuaire de Dionysos. Est-ce qu'il nous reste du marbre en réserve? Ouais, on a encore pas mal. On va déjà essayer de. J'ai peut-être un plan. On va prolonger un peu l'épisode, mais bon, c'est juste pour voir. Enfin, après. Au pire, je reçois le sanctuaire de Zeus, c'est tant pis, hein, seulement, voilà. Et bah, Corsair, ça nous fournit plein de sculptures, quand même.
C'est monstrueux. 4060 habitants, c'est plus que ce qu'il nous fallait. 160 personnes dans les maisons. Ça y est, le marbre est arrivé. Le bois devrait plus tarder. Il passe par où le bois? Alors. Ça vient, oui. Juste pour un truc. Avec les impôts, là, on est plutôt pas mal. Hein. Je vais arrêter d'acheter des armements. Pour l'instant. J'ai plus de place pour le marbre, désolé. Et là, c'est vrai que j'oublie les impôts. C'est pas cool pour les petites gens parce qu'ils vont râler après, ils vont avoir des petits soucis. Attends, le sanctuaire il est déjà à 38%. Ah ouais. Le sanctuaire de Zeus aussi. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Ça se construit plutôt pas mal. Est-ce que je pourrais avoir accès au... C'est quoi ça? Oh, une flotte ennemie. Ah, vous êtes comme ça, vous. Attends, c'est qui, ça? Ça va être l'autre con, non? Je suis sûr que c'est Trezen. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai la statue de Zeus, normalement. Je l'avais un peu zappé. Bah, je vais la mettre là. Faut lui cacher. Ah, et puis 17 sculptures à poser, ouais. Là, tous nos sanctuaires, ils se bâtissent, là, c'est cool. Donc, il y a 120 populations au chômage. Genre, j'ai 12 sculptures sur 16 qui ont été replacées, ça, c'est cool. Le marbre, j'en achète plus. Naxos a des besoins d'orline, on va se couiller. Encore la guilde d'artisans qui prend, qui étouffe et tout flamme. Hop. Bah, honnêtement, j'aurais pas besoin de faire de conquête dans ce scénario. Moi qui pensais aller reconquérir cette infâme, mais comme ils se sont ralliés à nous derrière, bah, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Hop. Ouais. Est-ce que les derniers structures vont se poser le marbre avec? Allez, 3500 drames, boucan. Poum. La personne qui veut une petite bénédiction, non. Là, le quartier de riche, il est plutôt peinard. C'est un petit quartier de riche, hein. C'est pas le plus grand que j'ai bâti, je dirais. Oh, là, deux statues, quoi. 11 de chaque côté, quoi. Allez, 93%. Je vais faire Yolko 6 comme c'est le dernier scénario. Ou attends, c'est le 5 ou c'est le 6? Non, j'ai dit de la merde là. C'est 5. Il n'y a pas de 6ème scénario. Mais je vais en supprimer un. Hein. C'est Yolko 6. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Le roi des dieux va être content. Il a été chercher la toison de Grèce. Il a levé la malédiction. Nous, en retour, bah, un sanctuaire en son honneur. Je pense que c'est une juste chose. Voilà. Voilà. Une première statue de Zeus. Deux statues de Zeus prêtes. Ah oui, ils sont motivés. Hein. Donc là, je pense pas faire des livres dans le scénario. Donc bon, ça me prendra peut-être un peu plus de 15, pas plus de 20 minutes, je pense. Et je fais un truc, je fais arrêt des travaux, comme ça ils vont se rediriger vers l'autre, celui de Dionysos. Comme ça on aura les 4 sanctuaires de près, donc un sanctuaire pour... Ah,
C'est con ça. J'avais pourtant dit arrêt des travaux, mais bon, j'ai tout de suite sauvegardé, tant pis, j'aurais aimé bâtir le sanctuaire de Nuzos. Je suis un peu déçu, mais bon. À présent, Iolcos est vraiment un grand royaume. Presque toutes les cités de Grèce vous considèrent comme leurs camarades ou leurs maîtres. Et Zeus regarde avec fierté la cité de Iolcos et son chef compétent. Du coup, c'est la fin de ce scénario, on va se diriger vers l'épilogue. De l'humble bourgade qu'était Iolcos, vous avez fait l'un des royaumes les plus puissants de toute la Grèce, en risquant la colère des dieux comme des mortels pour aller au bout de votre destin. Au cours de votre épopée, vous avez libéré un héros du monde souterrain, tué le terrible sanglier de Calydon et récupéré le trésor de la Grèce, la Toison d'Or. Zeus, qui autrefois avait jeté un sort sur votre famille, vous bénit maintenant et célèbre votre nom sur tout le mont Olympe. Bon, on a terminé le scénario, mais j'ai un petit goût d'inachevé. On va retourner contre la cité, on va terminer ce sanctuaire avec Dionysos. Et là, après, on partira. Donc, bon, je dois vous comprendre, je suis un peu perfectionniste là-dessus. Normalement, on a des sculptures suffisantes. Hein. Et je pense que l'emploi aussi. Je vais mettre en très élevé les salaires et l'imposition avec. Comme ça va équilibrer. Je gagne combien avec les drives par que le... Bon là vous voyez j'ai déjà gagné le scénario mais bon c'est juste pour finir ça quoi. Je pense que vous comprendrez un peu. Zeus qui était bien content. On consulte un peu l'oracle. Pas plus tard que l'autre jour, je disais à ma femme que c'était vraiment agréable de bénir les bâtiments. De toute façon Zeus c'est le meilleur des dieux. C'est pas parce que c'est le roi, parce que lui, il peut tout faire, contrairement aux autres. Ah, ça y est. Hop, Dionysos qui apparaît là-bas. Hop, voilà. Bonjour Dionysos. Bienvenue. Il titube quand même avec une majesté assez incroyable. Du coup, bon, je vais vous laisser là pour de bon. Je vais sauvegarder, parce que là, c'est bouclé. J'espère que ce scénario vous a plu. Donc, les voyages de Jason. Donc, je vais retourner sur le menu. Yep. La prochaine fois, nous attaquons les travaux d'Hercule. Donc, alors, c'est combien de... C'est 7 épisodes, donc il y aura sûrement des colonies à bâtir en route. Et je pense que ce scénario-là, il est très intéressant à faire. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, moralement, n'oubliez pas la page Tipeee présente dans la description. Voilà. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.